Viens ici, madame. Tu es sorcière? Oui, papa. Viens ici. Ce mot a été mis les paroles dans ta bouche. Regarde là, regarde là. Ce mot a mis la parole dans ta bouche. Non, papa. Anne, c'est quoi ça qui t'a mis dans ce côté? C'est quoi? Non, c'est. Hein? Je suis à Abidjan. Est-ce que c'est le prophète qui t'a dit de venir? Non. J'ai venu, c'était pour quoi? C'était pour me délivrer. De quoi? De sorcellerie. Vous avez compris? Il y a des gens qui sont souvent avocats du diable. Quelqu'un dit qu'il est venu pour la délivrer de sorcellerie. Donc c'est ce que la personne connaît qu'il va faire. Ah, moi, c'est quand vous voyez un médecin, excusez-moi, et puis le médecin il va faire une injection, vous avez peur dedans vos fesses. Il va laisser ça. C'est pas les fesses qui l'intéressent, c'est le médicament qu'il met dedans là qui va vous guérir. Moi, c'est ma méthode. Si ça te plaît ou ça te plaît pas, je délivre le sorcier. Donc, par moi, fermez la bouche et aidez-nous à aider les gens à sortir de la sorcellerie. Parce que nous délivrons les sorciers et puis nous délivrons les victimes. Quand il y a les sorciers, ça veut dire qu'elle a tué, n'est-ce pas? Tu as tué, non? Oui, papa. Vous comprenez? Mais sorcier dit qu'elle l'a tué. Comment un sorcier, ça pourrait aller faire soleil, ouais, sauter, s'amuser? Oh. C'est pas pour aller s'amuser, c'est pour manger l'homme. Magie, jumbli, plala, chikliti. Tu as tué? Oui, papa. Tu as tué qui? J'ai tué ses clients. Tu as tué tes clients? Mm. Comme une dame, ça c'est plus sorcellerie, hein? C'est vis-à-vis. Et tu es vis-à-vis, c'est ça? Sorcellerie, vous mélangez. Hein? C'est mélangé. Attends, pardon. Vous laissez faire sorcier mélangé. Vous nous amenez sur la terre, souvent vous nous amenez là-haut. Quand c'est quelque chose sur la terre, vous laissez sur la terre. Ok, pourquoi mélanger? Quand quelque chose sur la terre, tu nous laisses sur la terre. Comme ça, on va comprendre mieux. Tu as mis médicaments dans des souris, dans manger là. Ton client vient, et puis tu sais que Zadi est là. Puis tu le sais, tu mets le médicament de Zadi. Oui, puis tu le tues. Oui, papa. Puis tu as tué combien de personnes? 6. Ah. À vous crier, ah. Voici le travail qu'on fait. Bon, une personne qui fait ça, on la met aux arrêts spirituels, n'est-ce pas? Et puis on sait que c'est un esprit qui l'anime, n'est-ce pas? Parce que, écoutez, en Europe, là, il y a une forme de sorcellerie qu'on appelle les tueurs en série. Eux, ils sont là, ils veulent tuer. Ils prennent les gens, ils les tuent comme ça. Donc, il y a les gens qui sont possédés de cet esprit-là. Ils ont envie de tuer. Donc, tu as tué 6 clients. Oui, papa. Tanti, tu venais quoi? Je vendais manger. Il y a quel bien là-bas? Et du son. Ah, viens de Bruce. Tandis, il faut. Il y a bien de Bruce, hein. Doudé, 1000 francs. Tu vois les plats combien? 1200. Voilà. Tandis, donne-moi 1200, hein. Donne-moi la pâte, là. Elle dit, ok, j'ai compris. Hein, mes petits qui m'a aidé dedans. Son magie, là. C'est médicament de quoi? Kafa. Kafa. C'est quoi, on prend pour tuer Kafa, là, non? Oui, papa. Elle met dedans. Elle dit, tiens, mange. Tu manges. Arrivé chez toi, tu sais, petit vent, tu as demandé cet amusement. Direct Mauritanie. Tu deviens Mauritanie. Ok. À part ça, tu as fait quoi? Mes enfants. Ok, écoute, quand tu dis mes enfants, c'est qu'il y en a plusieurs. Tu as gardé quoi? La vie de ma fille. Ah, tu dis mes enfants. Mes trois enfants. Ok, donc dis le nom des trois. Commence par une personne, les trois enfants, on va délivrer. Attendez, oui. Ce que je suis en train de dire là, oui, papa. C'est quelque chose qu'on a mis dans ta bouche. Non, papa. Parce que pourquoi on fait le live maintenant, pourquoi on fait le direct? Pour montrer aux gens que ce n'est pas du montage. On ne fait aucun montage ici. Tout le temps, ça a été comme ça. Nous les délivrons. Et c'est la méthode qui délivre tous les sorciers d'ailleurs. Ici, c'est la dernière fois, je lui ai dit de partir, lui, il ne veut pas. Si tu ne veux pas parler, tu vas. Hein? Ils sont une fausse personne. Tu ne veux pas parler, allez, tu t'en vas. Surtout. Quand tu t'en vas, tu vas un petit boisson. On t'accompagne à quelque chose. Hein. Est-ce qu'on t'a forcé pour parler? Non, papa. Est-ce que c'est le prophète qui fait un montage, qui t'a dit de dire, moi, il gagne quoi à faire ça? Non, papa. C'est le travail le plus difficile. Moi, quand il m'a amené, il dit, mais c'est quel travail Dieu m'a donné ça? J'ai mangé quoi? J'ai mangé. C'est un travail qui est difficile. J'entends l'ombre des journées de saleté seulement. Ah!
travail, travail. J'ai mangé et tué. Vous pensez que c'est travail ça? Et tu as fait quoi encore? Je marie ma fille. Hein? Ça veut dire quoi? Je ne pas que c'est marié. Non, il faut expliquer marier là, ma fille. Je suis en lui, quoi. Ça, c'est encore grave. Il est là. Il est là. Vous connaissez? Non. Comment il dit, les petits bouts de corps là? T'as ta vie complète. J'ai dit. Tu dis, tu maries ta fille, ça veut dire quoi? Je fais l'amour avec elle. Hein? Comment tu fais l'amour? Comment tu fais l'amour avec ta fille? Yes. Vous êtes nombreux, hein? Yes. Ah, c'est toi qui as dit, tu fais l'amour. Je t'ai demandé comment tu fais. Quand tu es femme, elle est femme. Toi, tu fais comment? Et puis tu fais l'amour. Tu es lesbienne ou bien? Je la prends comme des lesbiennes. Il ne faut pas jouer à mon esprit. Hein. Quand tu dis tu sors avec la fille, ça veut dire que toi, tu as un kiki, c'est ça? Puisque tu veux pas qu'elle se marie. Non, toi, tu es son mari de nuit. Ah, mais il faut expliquer ça. Tu parles de sorcellerie avec les lesbiennes là. Hey, lesbienne. Tu penses que là, il a besoin d'elle. Si tu es lesbienne, c'est sorcellerie toi. Tu sors avec elle comment? En faisant l'amour. Donc tu as kiki. Ce que les garçons ont, tu as ça. Sorcellerie. Ah, mais c'est sorcellerie, j'en ai parlé. La sorcellerie. Tu ne mets pas le temps. Je dis sa sorcellerie. Mais explique. Sa sorcellerie, je me couche avec elle. Mais explique ça, explique ça. Explique comment tu fais. Puis le kiki vient, puis tu allais coucher. Ta... Elle est où? Elle est à Paris. Et donc tu vas là-bas? Non, c'est quand elle était ici là. Hein? C'est quand elle était ici là. Tu couchais avec elle? Oui. Donc toi, ta société, ça ne traverse pas l'eau. Ça n'a pas avion. Non. Hein? Non, papa. Je t'écoute. Un patin, elle m'a pas dit au revoir. Ah. Attends, hé, sorcellerie qu'on est avec le revoir. Attends, tu es en train de jouer ou bien tu es. Non, papa. Non, papa. Attends. Madame. Oui, papa. Si vous voulez pas parler. Attends. Hé, hey, regarde-moi. Si tu veux pas parler. Si, non, tu dégages. De... Non, si tu veux pas parler, dégage. Il dit, je me couchais avec elle en faisant l'amour. Quand tu fais l'amour à une personne qui voyage, toi, sorcier, là, tu pousses la personne là-bas. Ce côté d'elle, je suis là. Partout est passé, je la suis. Mais pourquoi tu dis que non, tu es là, tu es là. Pourquoi tu dis ça? Attends. C'est devant vous, elle. Elle ne se marie pas. Elle n'est pas mariée. Non. Donc tu ne veux pas qu'elle se marie? Je ne veux pas. Attends, tu es content quand ta fille ne se marie pas? Non, je ne veux pas. T'es contente? Non, papa. C'est pour ça que je suis venue. Arrête tes conneries. C'est pour ça que tu es venue comme. Elle ne se marie pas, t'es contente? Donc, j'ai appelé les jalousies. Dans la société, il y a jalousie là-bas. J'ai appelé les jalousies dans la société. Jalousie. Je suis en train de demander. Hein. La jalousie. La jalousie. Donc, pourquoi ta fille a te marié? Et c'est pas. C'est, donc, quand ta fille n'est pas mariée, c'est pas bon pour toi? Une fille, elle doit se marier. La maman doit prier pour que sa fille se marie. Et toi, tu es là pour. Tu veux pas. Tu es la base du problème hein, du mariage de ta fille. Tout ça, donc, non, papa. Aidez-moi, papa. Aidez-toi, t'aider pour quoi? Aidez-moi à la libérer. Libérer comment? À la libérer à ma tête de sorcellerie. Mmh, tu l'as envoyé où? Après que tu couches avec elle, tu l'as envoyé où? Je l'envoie. Derrière maison et puis elle se lave. J'ai dit, après que tu couches avec elle, tu as fait quoi dans sa vie? C'est pour ça qu'elle ne se marie pas là. On a compris. Oui. Elle ne se marie pas. Oui. Donc tous les gens qui l'approchent, ça se gâte. Oui. C'est toi qui fais ça? Oui. Ok. À part ça, tu as fait quoi encore? Mon fils, elle m'a donné l'argent. Donc, la même fille, tu as fait quoi? La même fille. Non, on n'a pas fini. Moi, je reviens là-dessus.
Tu dis la dernière fois tu l'as attaché. Pourquoi tu ne parles pas de ça aujourd'hui? Je l'ai attaché en faisant ça là. Là, tu passes. Non. Il y a attaché. Attaché, ça veut dire que je l'ai attaché après. Tu l'as bien expliqué. Si il y a sous la cassia là. Ah, mais oui. Sous la cassia. Là, c'était dans son enfance là. Donc, je l'ai attaché pour qu'elle soit ma femme. Vous voulez faire quoi? Pour qu'elle soit ma femme. Attends, toi-même là. Oui, papa. Est-ce que tu veux être délivré? Oui, papa. Parce que j'ai l'impression que tu es en train de jouer. Non. Hein? Moi, je serais obligé de te laisser partir. Je l'ai attaché pour ne pas qu'elle se marie. Donc, elle soit tu ma couches femme. Avec elle pour ne pas qu'elle se marie. Maintenant, tu l'as attaché, c'est pourquoi? Je l'ai attaché pour ne pas qu'elle. Sorcier attache pour tuer. Non, il y a des choses, étape par étape. Sorcier, là, quand sorcier t'a attaché, c'est pour te tuer. Quand tu lèves bœuf, tu penses que c'est bœuf pour dire qu'il est attaché, mouton, comme on élève nos bœufs ici. Quand sorcier attaque quelqu'un, c'est pour le tuer. Quand tu couches avec elle, c'est pour dire pour ne pas qu'elle se marie. On connaît un peu les choses. Tu es en train de raconter les bêtises là. Attends. Pour la tuer, non, pour je la n'aime tuer, pas. Puis... Maintenant, comme on m'a dit de donner, je dis non. Il faut qu'elle soit mon mari. Ta femme est ton mari. Il faut qu'elle soit ma femme. Donc c'est pour ça que je l'ai fait l'amour. Pour ne pas la tuer. Pourquoi la tuer? C'est comme ça m'a dit. Qui est ta dit? Mes amis. Quels des amis? Mais quand des amis te disent, tu peux aussi dire non. Ta propre fille. Elle a fait 9 mois ou 2 jours dans ton ventre. Combien de jours elle a fait dans ton ventre? 9 mois. C'est 9 mois là quand tu m'attraites. Je te demande. C'est 9 mois là quand tu m'attraites. Et puis toi tu viens pour qu'il te délivre. Hein? Oui papa. Pourquoi? C'est pas bon. Ah, c'est maintenant disait. Tu fais ça après, puis tu vois, tu regrettes, tu regrettes. Tu regrettes. Tu connais pas l'église. Toi-même là, tu connais pas l'église. Ça fait. Je te demande. Si je vais suivre Dieu maintenant. Hein? J'ai vu que c'est pas bon. Tu vas suivre Dieu quel jour? Ça va être Dieu là qui est bon. Suivre Dieu, c'est ça qui est bon. Tu as gagné qui encore? Bon, le deuxième. Il a pris son argent pour. Il place son argent. Il distribue son argent. Il veut pas? Il distribue son argent. L'argent ne reste pas avec lui. Tu as fait comment? Il a parlé sur son argent là. Il t'a donné l'argent, tu t'as parlé sur ça? Oui. Comment il s'appelle? Il s'appelle Kwasi. Oui, on n'est pas qu'il ait l'argent. Oui. Non, tu as gâté son argent. Oui. Tu as gâté qui encore? Comment tu as parlé? La troisième. Comment tu as parlé? J'ai dit, l'argent tu me donnes pour partager aux gens. Si tu gagnes, il faut partager. Pour partager. Donc elle gagne, quand il gagne, il partage. Ça reste pas. Ça reste pas. Oui. Ça reste pas. Là, elle reste pas. Oui. Tu as gardé qui encore? Depuis mon neveu, il est venu chez moi passer vacances. Donc je lui ai donné l'argent pour aller s'inscrire. Donc j'ai parlé dessus pour ne pas que son école réussisse. Donc il parle comment? Il dit faut pas que son école, faut pas qu'il va réussir. Donc il est parti, il se passe d'esprit. Et tu as fait quoi encore? Puis ma dernière, je lui ai donné un mot de ventre. Oh. Comment tu as fait? Donc il quitte encore? C'est Kiki là encore? Que... Hein? Elle, j'ai mis boule dans son. Comment tu as fait? Belle de carité. Mm-hmm. Ça, j'ai mis dans la main devant. Comment tu as fait? J'ai mis un truc. Kanimba. Quel Kanimba? Spirituel. Mm-hmm. Comment tu as fait? J'ai pris belle de carité pour mettre dans son anus. Est-ce que c'était quoi? C'était pour que son ventre ne pas qu'elle fasse enfant. Pour ne pas qu'elle fait enfant. Quand elle va avoir règle, ça lui fait mal au ventre. Règle douloureuse. Comment tu as fait? Je veux que tu expliques un peu. Belle de carité. Oh non, mais là, ils ont fait grandir pour nos enfants. Hein? Le petit vient vers Kalimba.
Les petits pleurent seulement. Elle met les uns purifier les enfants. Un enfant, la vieille veut le purifier, elle écrase le médicament. Tu ne sais pas où elle a mêlé. La voici, elle va prendre le médicament, elle écrase. Elle est purifiée. Oh, voici la vieille, la dame a dit, elle met quand même sa fille. Et donc toi tu viens voir tes enfants souffrir. Ouais, ouais. C'est comme si tu es mazo. Tu viens voir les gens souffrir. Sans papa. Ah, explique, mais c'est vrai. Ah non, comment? Donc c'est quand elle souffre, tu dis non comment? Tu gagnes quoi? C'est un plaisir. Tu gagnes rien. On t'écoute, hein? Tu gagnes rien, papa. Tu gagnes rien, papa. C'est mauvais. Qu'est-ce qui est mauvais? Tout ce qu'on fait là, c'est mauvais. Je fais ou bien? Ce que j'ai fait là, c'est mauvais. Tu appelles la sorcellerie là, c'est pas bon. La sorcellerie n'est pas bon. Mais on te dit de quitter. Oui, je vais. Toi, tu es dans la sorcellerie. Quitte. Tu es dedans. Quitte, tu es dedans. Dieu merci, je suis arrivé vers vous. Hein? Je sais que je serai délivré. Tu sais, je serai délivré. Vous faites comme chat ou balader. La nuit est faite pour dormir. Vous, c'est là où vous en. Hein? Tu vois pas. Qu'est-ce que tu vois pas? Après, tu. Hein? Quand tu vas faire l'amour avec ta fille, tu vois pas dedans. Tu vois pas dedans. Hein? Non, je veux dire que quand. Non, 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 explique. Je pas ma question. Quand tu fais l'amour avec elle, tu vois pas. Je vois. Ah. Quand tu mets un canimba, tu vois pas. Je vois. Faut arrêter de jouer la comédie. Hein. Si tu veux te pardonner, tu vas te pardonner, mais arrête de jouer la comédie. La sorcellerie, c'est pas de l'amusement. Toi, tu es une mère. Toi, tu es maman. Tu es une mère. Tu dois protéger. C'est toi qui gâte. Tu es tout ça normal? Non, papa. Hein? Et puis le problème, c'est que toi, tu as le secret. Tu sais pourquoi elle souffre? Il me dit, eh non, ça va aller. Oh, c'est toi qui la base. Tu sais ça? Non, papa. Tu sais la Paris, tous les garçons, là, personne ne veut la marier. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Je veux quitter dedans. La sorcellerie n'est pas bon. Mmh. Dieu n'a qu'à m'aider. Pourquoi je quitte dedans? N'a pas t'aider. Oui, papa, je sais que je suis arrivé ici là. C'est fini. C'est fini. Je... À part les clients là. Les clients, tu as tué physiquement, spirituellement, tu as tué combien de personnes? C'est 6 là. Non, c'est... ça c'est les empoisonnés. Oui. Maintenant, même spirituellement, l'autre côté. Et toi, tu fais pour toi deux fois. Le vrai, vrai, et puis l'autre côté. L'autre côté là, tu as tué qui? L'autre côté là, c'est la fille de mon homme, l'enfant de ma fille, de ma soeur. L'enfant de ta, c'est ta nièce quoi? Oui, oui. Comment tu l'as? C'est ton neveu, oui. C'est un garçon. Oui. Comment tu l'as tué? C'est poison, la même poison là. Ah, c'est poison encore? Oui. Comment tu fais? Là, il a eu diarrhée. Comment tu as fait? J'ai mis dans manger. Ah, donc toi, on ne peut plus mettre en outil. Hein. Tu fais comment? Les gars, quand vous donnez un plat, priez c'est ça, hein. La Bible dit que tout est sanctifié par la prière. Ah, je vous ai dit, oui, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je ne vais pas confesser aux gens à 100%. Hein. Moi, vous voyez là, non. Je te salue, mais tu vas confiance. Non, non, non. Tellement qu'il y a vu des vilaines choses, entendu des vilaines choses, la sorcellerie, les... Donc, toi, tu tues ton neveu. Tu as mis médicaments dedans. Il a mangé, il est mort. Et tu as dansé. À Congo. C'est votre danse, Baoulé, ça. Tu as fait quoi dans la famille? C'est mon neveu là. C'est mon neveu là. Oui, il a gâté son école. Tu as tout dit? Oui, papa. Ah, ben, si tu n'as pas tout dit, c'est tu vas avoir les problèmes. Hein. C'est tout, papa. Tu vas être délivré. Oui, papa. Toi, tu as fini une sorcellerie. Il y a une sorcellerie comme ça. Où on fait dans la journée, où on fait dans la nuit. Tu es rien d'un être humain qui paye son plat, un plat mille, combien? 200. Il y a quelqu'un qui vous met, c'est pour tout. Pour tout. Hein? Hé, hey, hérisson. Hérisson qui est bien doux, là. Sauce au berger. Sauce au berger. Djungle est dedans. Maintenant, tu mets qui mange, là. Et tu as tué les gens. Et comme ça, tu quittes ici, tu vas faire l'amour à Paris.
Les gens pensent qu'ils sont à Paris, ils sont à l'abri de la sorcellerie. C'est mal connaître la sorcellerie. Les pasteurs qui disent non, ne venez pas en Afrique, si vous venez, les sorciers vont vous tuer. Mais les sorciers sont là. Pourquoi vous ne les empêchez pas de partir? Le sorcier ne me connaît pas, il a vu lui-même un visa. Il a un passeport diplomatique. On ne l'arrête même pas. La guerre privée. Il n'y a pas, il n'y a pas un truc qui va l'arrêter. Hein? Et quand tu vas là-bas, tu l'as marié, personne ne doit s'approcher d'elle. Et comment la société se manifeste? Esprit de la sorcellerie. Qui est? Libère-moi. Allez, feu. Lâche-la. Esprit de la sorcellerie. Allez. Elle a parlé, c'est ce qu'elle a fait les aveux. Mais il y a les démons dans son corps. Et donc il faut qu'on chasse le démon. Tant que le démon ne sort pas du corps, elle demeure sorcière. Donc c'est une lutte entre le corps et l'esprit. Si l'esprit sort, elle est libérée. Sinon un sorcier va beau parler, tant que vous ne le délivrez pas, il est possédé. Sortez! Sortez! Feu! Allez! Feu! Tu vas partir! Tu vas la libérer? Oui. Abraham. Lâche-la. Allez. Lâche-la. Comment allez? Allez, lâche-la. Tu quittes sa vie. Lâche-la. Allez. Le feu sur toi. Le feu. Allez. Le feu, la puissance de Dieu. Feu! Allez! Feu! Quitte sa vie! Je vous informe que Dieu a donné le pouvoir à l'église. Tout croyant doit chasser un démon. Parce que la sorcellerie, c'est un démon qu'on appelle un esprit méchant qui s'incarne dans des personnes et leur pousse à faire du mal. Même à tuer leur propre enfant. Oh. Feu, lâche-la, quitte son corps, libère-la, voilà, libère-la, c'est un ordre, tu vas quitter sa vie, quitte sa vie définitivement. La puissance de Dieu. Comment le feu? Feu! Allez, lâche-la. Je brise ton pouvoir. Allez! Libère-la. Réaccommande de fois, tu l'as rendu malheureuse. Tu l'as rendu mal. Allez, le feu sur toi. Tu la libères au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. Comment? Allez, lâche-la. Quitte sa vie. Allez. Le feu, consume tes œuvres. Libère-la. Au nom de Jésus. Allez, le feu. Allez, lâche-la. Lâche sa vie. Allez. Libère-la. Tu quittes son corps. Tu quittes sa vie. Tu la libères maintenant. Tu libères sa vie. Toi qui l'as rendue malheureuse,
toi qui l'as rendue malheureuse par la puissance qui est dans le sang de l'agneau, qui libère sa vie maintenant. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Jésus, Jésus, Amen. Jésus, Amen. Jésus te délivre. Amen. Jésus te délivre. Amen. Jésus, Amen. Te libère. Amen. Jésus te libère. Amen. Jésus te libère. Amen. Reçois ta délivrance. Je vous remercie. Reçois je vous ta remercie. Délivrance. Reçois ta je vous remercie. Reçois merci, ta Seigneur. Délivrance. Merci reçois Seigneur. Ta délivrance. Merci Seigneur de m'avoir libéré. Dites encore. Merci Seigneur de m'avoir libéré. Dites encore. Merci Seigneur de m'avoir libéré. N'explique pas. Merci Seigneur de m'avoir libéré. Esprit, quitte son corps, quitte son corps, quitte son corps, quitte son corps. Nous prions pour toutes les victimes. Oui, les victimes, nous libérons la vie de ses enfants. Nous libérons la vie de ses enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous libérons la vie de tous ses enfants. Au nom de Jésus, à compter d'aujourd'hui, nous libérons la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, pour les enfants qui étaient enchaînés, liés, nous les libérons ce soir. Nous les libérons ce soir. Nous les libérons ce soir. Nous proclamons la puissance de Dieu. 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 Vous libérez sa vie. C'est un ordre. Vous libérez sa vie. C'est un ordre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci, quittez définitivement sa vie. Merci. Vous libérez définitivement sa vie. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu te libère au ce soir. La puissance de Dieu te libère ce soir. La puissance de Dieu, les chaînes de l'esclavage satanique, quitte ta vie au nom de Jésus, tombe. La puissance de Dieu, la puissance de Jésus te délivre ce soir. La puissance de Jésus te délivre ce soir. Reçois ce soir ta délivrance. Reçois ce soir ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta délivrance ce soir. Reçois ta délivrance ce soir au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Dieu, Dieu te pardonne. Dieu te pardonne. Amen. Dieu te pardonne. Amen. Pardonne tout ce que tu as fait. Amen. Il te délivre aussi. Amen. Il te délivre, y compris toi et tes enfants. Amen. Amen. La puissance Amen. De Dieu Amen. Te délivre ce soir. Amen. Reçois la délivrance. Reçois. Allez, comment Seigneur. Reçois la puissance Merci de Seigneur. Dieu. Reçois la puissance Merci de Seigneur. Dieu. Jésus Merci te Seigneur. Délivre. Merci tu Seigneur. Ne seras plus malheureux. Merci Seigneur. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Je pleure de joie. Je pleure de joie. Jésus te délivre. 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 Reçois ta délivrance. Comment tu vas sentir l'envie de vomir. L'esprit va partir. Comment allez allez. L'esprit encore dans ton ventre. Il va partir. L'esprit encore de ton ventre. Il va partir. L'esprit 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 va partir. Oui, l'esprit te délivre. Il quitte ta vie. Il quitte ta vie. Descendez son t-shirt. L'esprit te délivre. Descendez son t-shirt. Descendez son t-shirt. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance. Nous te délivrons en tant que victime, en tant qu'une sorcière. Merci Seigneur. Voilà, on ne t'expose pas comme une Merci, personne. Seigneur. Merci Seigneur. Nous te délivrons ce soir Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, nous, Seigneur. Nous condamnons l'esprit Merci, qui est en Seigneur. Toi et nous le chassons par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Merci. Nous le chassons aujourd'hui pour que tu ne sois plus esclave et maître du diable. Qui ne te manipule plus. Amen. Qui ne t'utilise plus. Amen. Pour détruire la vie de tes Amen. Enfants. Dites Amen. Détruire... Dites Amen. Dites Amen. La puissance Amen. De Dieu. Amen. La puissance de Jésus-Christ. Tu ne seras Amen. Plus esclave Amen. De démons. Amen. Comment Amen, le feu. Amen, papa. Le feu. Amen, la puissance Amen. De Dieu. L'esprit Merci, est dans ton ventre. Merci, papa. L'esprit est dans ton Merci, ventre. Papa. Toi qui es Merci, là papa. Dans son ventre. Merci, toi papa. Qui es dans son ventre. Merci, toi. Papa. Toi incarné dans son ventre. Quitte son ventre. Merci papa. Quitte. Merci papa. Quitte. Quitte, c'est un ordre. Quitte, c'est un ordre. Tu libères son ventre. Tu es là. Tu vas libérer définitivement sa vie. Amen. Tu libères définitivement sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le ventre, je proclame la puissance de Jésus-Christ. Dans ton ventre, je proclame la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Merci, la Seigneur. Puissance de Dieu. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte. Oui, la puissance de Dieu. Jésus touche. Voilà. Voici ton miracle. Voici ton miracle. Voici ton miracle.
Voici ton miracle. L'esprit. L'esprit te libère. 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 Come on! Allez! 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 La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Comment tu te sens? Je me sens léger. Et tu sentais quoi dans tout à l'heure dans ton ventre? Ça brûlait. Ça brûlait. Et qu'est-ce que tu as ressenti après? On dirait à lui que j'ai senti dans moi libre. Je suis libre. Je suis Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est une victoire, non? Je vois quelqu'un délivré. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Pour cette victoire devant une personne. Qu'est-ce que tu peux dire? Parce que tu face à ce que tu as vécu tout à l'heure. Hein? Je remercie le bon Dieu. Vous avez compris? Je remercie le bon Dieu. Ne voyez pas l'aspect, on l'expose. Hein? Elle est en train de parler devant tout le monde. Mais au finish, elle a été délivrée. Merci Seigneur. C'est ce que vous devez retenir. On remercie le bon Dieu qui m'a envoyé ici. On dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ne voyez pas l'aspect, non. Il est en train d'exposer. Mais c'est une méthode qui a poussé cette dame à être délivrée de l'esprit du mal, de la sorcellerie. Ça va maintenant chez toi? Oui, papa. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Shalom, shalom, monsieur le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. À cette date aujourd'hui, du mercredi 8 mars 2017. Voilà, je suis juste à Yopougon. Ici, c'est où ça? Je suis juste à Yopougon. Yopougon 3 Rouge. Bon, Jadabéry, ça fait peur aux gens. Je suis à Yopougon 3 Rouge, gendarmerie. Voilà, c'est comme ça on dit, gendarmerie. Cette date, aujourd'hui, comme je disais le 8, hein, aujourd'hui j'ai dit mercredi 8, je suis passé justement rendre visite à l'une de mes filles qui était au centre. Nous avons fait sa délivrance. Nous avons fait sa délivrance et nous sommes passés. Je l'ai surpris. Voilà, je l'ai surpris. Je l'ai appelé pour dire ah, je viens, ta fille m'a. Je viens. Elle m'a, dès qu'elle m'a regardé, elle était vraiment surprise de me voir. C'est ça, non? Moi, je suis maréchal. Il y a des plans de guerre. Donc, je l'ai supplié. Et sa grande supplie, me voici. Hein? Voilà. Donc, je suis venu là pour l'offrir. J'ai fait un don. Voilà. Je suis venu faire un don à ma fille là. Pour dire, même si on a vécu même des moments très chauds, par rapport à sa délivrance, ça n'est pas dit qu'on a laissé. On va pas l'abandonner. Voilà, c'est, nous sommes venus justement faire un don. Il faut le remettre, ça. Mm-hmm. Voici le don. On te fait ce don-là pour montrer que il faut que si tes enfants t'aident, on ne t'a pas aussi lâché, on va t'aider pour que tu vives ta vie chrétienne. Parce que ce qui est important maintenant, c'est ta nouvelle vie chrétienne dans le Seigneur. Amen. Voilà, le passé reste le passé. Il n'y a pas quelqu'un qui a une bonne vie. Nous tous sommes passés par une situation bizarre et Jésus-Christ nous a sauvés. Donc, c'est pour te suivre, pour dire il faudrait que désormais que tes enfants te viennent en aide et que te soutiennent parce qu'on ne doit pas t'abandonner. Donc, pour nous, hier, je t'ai appelé. Toi, je n'ai pas dit c'est moi qui vais te faire la surprise. Voilà, donc quand c'est pour dire qu'on ne l'a pas abandonné, voilà, c'est vrai que la fête des aveux même a coupé le souffle. Nous sommes passés ce matin, mercredi 8 mars 2017, passés là justement pour faire un don. C'est ma fille, voilà, c'est ma fille spirituelle maintenant. Je suis en train de voir sa nouvelle vie chrétienne, la soutenir. Voilà, soutenir. Tu aimes moi dire? Parce que les gens ont suivi tes aveux, hein. Le monde entier a suivi tes aveux. Dieu, tout ce qu'il a fait pour moi et que vraiment, 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 il continue toujours ses œuvres pour ma délivrance, que ça soit totalement débile. Ma famille et mes connaissances, tout. Et que papa aussi
soit Dieu lui donne la longue vie aussi pour pouvoir nous aider. Je remercie le bon Dieu. Voilà, donc maintenant, est-ce que ça va, est-ce que tu es vraiment bien délivré? Oui, je suis délivré. Bon, le prophète te donne, tiens, 20 000 francs. Tiens, 20 000 francs encore, oui. Qu'on ajoute avec ces dons-là. Oui, voilà, pour que tu puisses vraiment t'en sortir. Oui. Moi, j'ai pris sur moi la décision de venir te voir de temps en temps. Merci, papa. Chaque deux semaines, j'apporterai ma contribution. Merci, papa. Pour te soutenir. Oui, oui. Je demande si c'est bon, l'unionnaire, de soutenir. C'est un peu le travail qu'on essaie de faire par la grâce de Dieu. Nous essayons de faire par la grâce de Dieu de soutenir les personnes. Parce qu'après la délivrance, au centre Pénuel, il y a une communauté, voilà, il y a un suivi qui se fait. Nous venons les rendre en visite en famille et nous les suivons. Pour ne pas que cette image-là des aveux reste gravée définitivement dans la mémoire des gens. Donc on prend la peine de dire, on a vu comment Dieu l'a délivré. C'est vrai, juste après des aveux, il y a eu une délivrance. Elle a été délivrée. Donc, il ne faut pas tenir compte de ce qui s'est passé. Voilà, voilà. C'est vrai que les gens retiennent généralement tout ce qui est négatif. Mais elle a fait des aveux, même à couper le souffle. Mais il y a eu un miracle de Jésus-Christ. Jésus l'a délivré devant tout le monde. C'est pour dire qu'il y avait un esprit qui l'a poussé à faire tout ça. Cet esprit a été chassé. Donc elle reste maintenant une personne qui n'est plus sorcière. Qui n'a plus une présence satanique en elle. Donc, elle a besoin de nous. C'est maintenant qu'elle a besoin de chacun d'entre nous et pour la suivre. Non, c'est comme ça qu'on essaie de faire au ministère de la compassion des âmes. Comme ça, on essaie de faire pour soutenir tous ceux qui sont en difficulté. Après, même, nous leur rendons visite pour les soutenir. Voilà, donc c'est un geste pour nous très fort de savoir comment elle vit et là où elle vit. Pour nous, c'était vraiment important de savoir où elle vit et tout ça. Voilà, donc, on a décidé de l'aider. Moi, chaque deux semaines, je serai ici. Nous passons souvent dans les familles pour aider les gens parce que souvent les gens retiennent ce qui est mauvais. Non, les sorcières. Bon, elle était parce qu'elle a été délivrée. Voilà, elle a été délivrée. Voilà, elle était délivrée. Et maintenant, la voici. Voici sa nouvelle vie dans le Seigneur. C'est ça qui est plus important maintenant. Nous devons l'encadrer parce qu'elle est de notre. Elle vit maintenant pour le royaume de Dieu. Donc, il faut l'encadrer. Donc, c'est pour nous, elle a besoin de vie. Elle a besoin du soutien de chacun d'entre nous dans sa nouvelle vie avec Jésus. C'est vraiment important. Merci. Là, je vais prier pour elle. Comme ça. Merci, papa. Voilà, donc, venez, je vais prier que je prie pour vous. Ça va bien. Venez, les enfants. Hein. C'est vrai. Waouh. Ça va? Oui, ça va. Ça va. Elle est mal? Non. Elle est là. Mettez-vous la joie de prier pour vous. Bien appétit, ça va. Dans ta souveraineté, Seigneur, merci pour sa nouvelle vie. Sa nouvelle vie, Seigneur notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Merci de te manifester pleinement dans sa vie. Merci d'agir. Merci que ta main soit si elle désormais et que tu l'aides encore à vivre sa vie chrétienne. Éternel notre Dieu, afin que la sorcellerie soit vraiment du passé. Éternel notre Dieu, et puis que sa nouvelle vie soit une vie de bénédiction pour son entourage et pour ses enfants. Oui, l'amour de Dieu dans son cœur. Oui, la paix du cœur, Seigneur. Merci pour la restauration que tu apportes. Merci pour ta main sur l'enfant. Merci pour ta main, Jésus-Christ, de te manifester et d'agir pleinement. Nous te rendons toute la gloire d'agir pleinement dans la vie de ces bien-aimés. Amen. Merci pour cette maison que tu bénis, que tu restaures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons t'aider. Je suis en train de voir avec comment est ta fille pour qu'on puisse t'aider à refaire le commerce, tout ça.
Parce qu'il faut, que tu fasses une, activité. C'était pas facile, hein, parler. C'était chaud. Je lui ai dit non, faut partir. Elle ne va pas. C'était chaud, hein. C'était chaud. Ouais, moi, je joue pas avec les sorcelleries. Hein. Moi, je joue pas ça même. Non. Quand tu es sorcier, là, je joue pas ça. Je suis maréchal, mais après, il y a une vie. Voilà, il y a une vie, tout ça. Donc, il faut l'aider. Il faut aider les gens. Il faut toujours prêt à aider les gens. À vivre la vie pleinement, c'est ça. C'est nous qui devons aller vers les brebis. Ouais, c'est pas des brebis. C'est nous, elle est bien une brebis du Seigneur. C'est nous qui devons aller vers elle. Voilà, vers elle. Vers elle, voilà. Vers elle. C'est nous qui devons aller vraiment vers elle. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Ça va quand tu es venu, tu dois bien. Ça va maintenant. Vous dites, c'est passé. Hein? Faut pas vous la voir la poursuivre son passé. Hein? Elle est maintenant délivrée. Elle est au centre de elle. Voilà, elle est maintenant délivrée. Ça va? Oui, ça va, papa. Bien, tu es contente. Ça va, je suis contente. Voilà, tu vois, ouais. Elle est bien contente maintenant, ça va. Le Seigneur l'a restaurée. Nous allons venir chaque deux semaines. Et chez Abidjan, je vais passer. Dis la maison, puis pour lui, le petit aussi. Voilà, donc, que la gloire revienne au Seigneur pour ce qu'il fait dans la vie de ses bien-aimés. Voilà, ce qu'il fait. Il faut rendre témoignage. Il faut dire aux gens ce que Dieu a fait pour toi. Je voudrais que tu dises quelque chose. Les gens te suivent. Il faut dire quelque chose. Vraiment, je remercie le bon Dieu de m'avoir délivré dans la main de la sorcellerie. Vraiment, quand la sorcellerie est dans ta vie, tu ne peux pas faire quelque chose. Mais ils sont vaincus au nom de Jésus. Voilà, maintenant c'est fini, tu ne mangeras plus avec eux. Je suis délivré de la sorcellerie, c'est ça? Imagine que les gens me donnent en songe tout ça, que cette magie-là soit empoisonnée dans le nom de Jésus. Tu ne mangeras plus, c'est ça? Je ne mangerai plus cette magie-là. Voilà, donc la voici, là, elle est délivrée, elle confesse la puissance de Jésus-Christ qui l'a totalement délivrée. Préparation, je prépare un rêve, tout ça. C'est fini. C'est fini. Tu coupais Chougouya en rêve. Plus de Chougouya. C'est fini. Plus de Djunglé. De Djungla, hein. En rêve, tout ça là. Plus de Siokol et Tikriti. Plus de Placarit. Ouais. Voilà, c'est fini. Vous voyez, elle est délivrée. C'est ça que nous voulons. Voilà, la joie qui lui revient au visage. Voilà, parce que c'est ça, il ne faut pas laisser les gens, il ne faut pas les abandonner. Il faut les aider après. Donc la joie revient dans son visage. Elle joue le sourire, et c'est vrai. C'était pas facile, hein. C'était pas facile, hein. C'était dur, rude. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Voilà, donc. Il a fallu ça. Parce que des fois, je suis là même, je ne me retrouve pas. Voilà. Je veux devenir comment? Voilà. Comment est ma vie? Voilà. Il a fallu qu'une grande délivrance, voilà, pour que je sois libéré, voilà, pour que mes enfants soient libérés, okay, pour que ma famille aussi soit libérée, voilà, pour que aux entourants de moi, à tous mes enfants, mes neveux, mes cousins soient délivrés. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Il a fallu ça. Amen. Parce que toute chose a sa fin. Toute chose a sa fin. Et la fin, c'est cette année 2007, à partir d'aujourd'hui, le 8 août 2017, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Amen. Donc, c'est pour dire gloire à Dieu, nous rendons. Gloire soit rendue. Je suis en ligne et ce n'est pas la peine d'appeler. Voilà, gloire soit rendue au Seigneur. Merci. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce qu'il fait dans la vie des gens. Voilà, les gens ont toujours besoin. Ils ont toujours besoin de nous. Voilà, donc il faut repartir l'amour du Seigneur. J'ai toujours dit, un chrétien doit pratiquer l'amour. L'amour est plus pragmatique. C'est nous qui devons aller vers les gens. Les brebis souffrent. Si nous sommes assis, c'est vrai à l'église, mais après l'église, il y a l'encadrement des âmes. Il faut les suivre après. Ceux qui ont vécu une vie terrible, psychologique, parce que ce n'est pas facile de confesser, faire des aveux publics devant les gens, ce n'est pas facile. Mais en même temps, psychologiquement, ça les touche. Ils sont vraiment affectés psychologiquement parce qu'ils pensent qu'ils seront rejetés. Voilà, donc nous prenons le temps d'aller vers ces personnes, les soutenir moralement dans leur nouvelle vie chrétienne, dans leur nouvelle marche avec le Seigneur. Et puis nous rapportons leur soutien spirituel, moral et financier si possible par moment. Et en même temps, pour dire aux parents de ces personnes-là, de ne pas les lâcher, de les aider toujours à avancer dans le Seigneur. Et ça, c'est vraiment très important. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce grand miracle opéré dans la vie de cette dame. Parce que la délivrance d'un sorcier, c'est un miracle. Hein. C'est pas la sorcellerie, là. C'est pas tout le monde qui quitte dedans. Donc, un sorcier abandonne, c'est un grand miracle. Voilà, donc aujourd'hui, la voici, là, elle a retrouvé le sourire. La voici, elle a retrouvé le sourire.
Voilà, elle a été délivrée des esprits ténébreux, des puissants démons. Elle a été franchement délivrée. Nous rendons gloire au Seigneur à cette date. Notre première visite, c'est la date aujourd'hui du mardi, du mercredi 8 mars 2017. Voilà, donc que la gloire revienne au Seigneur. Tu peux encore délivrer, toi qui me suis. Ta famille est un peu en tant qu'encore délivrée. C'est possible. Dans le Seigneur, tout est possible. Là, y a pas, Dieu est souverain, il est puissant, il peut même encore délivrer des gens. Voilà, que la gloire revienne au Seigneur, soyez bénis. Que Dieu vous délivre là où vous êtes, que vos sorciers mordent la poussière, que vos sorciers soient à jamais vaincus par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. S'il y avait un sorcier encore dans vos familles qui vous embêtait au travers de cette vidéo, je parle à ce sorcier qui lâche totalement vos vies, que la puissance de Dieu vienne vous délivrer totalement de cette méchanceté satanique. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci.